Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je me présente donc, je suis le Père Vert. Je vous remercie d'avoir pris place en cette cérémonie, en ce jour de grâce du 26 août 2023. C'est ce que c'est ça, c'est ce que c'est ça. Laissez un message à vos invités, enfin, c'est des connards. Et ça, ça sort du cœur, merci à eux, très content. Merci de leurs bonnes énergies, de leur bonne humeur, de leur joie de vivre qui font que notre mariage, en fait, il est juste à nos yeux, il est parfait. Je suis pas bien, je stresse, vivement de retrouver Marion à 15h. Non mais j'étais très bien tout à l'heure et là j'avoue que là, je... ça monte en fait. D'abord c'est ma petite sœur qui se marie. Okay, la vie est belle, donc il faut en profiter. Vous fêtez leur bonheur. C'est le mot qui va revenir de toute façon à chaque fois je pense. Et moi c'est juste Marion mon fils. Voilà. Mais ça soit partagé en fait, du partage en fait. Voilà. Elle est très très belle. Je pense que mon frère sera très heureux. Je vous passe rapidement les grandes lignes de la création de leur univers, qui se sont connus au lycée. Elle rêvait de lui, lui rêvait d'elle, au pluriel. Marion, tu ne voulais pas te marier. Nous allons procéder au mariage. Anthony, ce sont deux belles personnes à prendre qui se sont bien trouvées. Marion, ici présente. Oui, toujours présente dans nos vies et dans nos cœurs. Au-delà d'un couple uni, vous êtes une famille unie, capable de traverser les moments difficiles, mais aussi de savourer les moments de bonheur. Donc savoure ta journée, Anthony. Quand on vous voit aujourd'hui, entouré de tous vos proches, que votre vie à deux, eh bien, elle va être belle. Elle est belle, mais elle va être belle, à deux, en famille. Et elle sera belle, tout d'abord parce que vous êtes trouvés. Je vous aime, et on vous aime. Alors pour toi, Anthony, c'était important de te marier. C'est chose faite aujourd'hui. Et une autre chose qui est très importante, que tes sœurs t'ont dit, je vous le dis à tous les deux, c'est qu'on vous aime du plus profond de notre cœur. Et c'est aujourd'hui. Marion, concentrez-vous à prendre pour époux Anthony s'y présente. Mais un jour à New York, Anthony a fait sa demande en mariage. Oui. Au nom de la loi, je déclare Anthony et Marion unis par le mariage. Je vais en premier lieu demander aux enfants de se boucher les oreilles. Ça fera des orifices en moins pour le prêtre. Vous connaissez pour certains l'intelligence qui m'habite. Allez, faites du bruit pour les mariés! Ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? C'est bien de faire des cœurs avec des doigts, mais c'est mieux de mettre des doigts avec du cœur. Et c'est Marion qui me l'a sorti. Voilà.